N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour supprimer une page vide dans Microsoft Word. Donc, disons par exemple que vous avez une page comme ceci dans votre document qui est vide et que vous souhaitez la supprimer sans forcément avoir supprimé d'abord ce texte-ci. Donc, ce que vous allez faire, c'est sélectionner complètement la page ou prendre votre curseur et sélectionner la page vide complètement. Donc vous allez faire comme ceci, ok. Vous sélectionnez du haut vers le bas et ce que vous allez faire tout simplement, c'est cliquer sur supprimer. Donc vous allez voir que la page vide aura été supprimée. Donc tout ce que vous avez donc à faire, comme j'ai dit depuis le début, c'est mettre le curseur au début de la page et là vous allez sélectionner jusqu'au bas, ok, et vous cliquez simplement sur supprimer sur votre clavier. Donc là, vous allez constater que la page sera automatiquement supprimée. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir supprimer des pages vides dans Microsoft Word. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.